Alors, bonjour Ophélie et Anaïs, et bah, bienvenue à cette chaîne. Vous venez voir les filles, vous suivez un peu leur actualité depuis les États-Unis ou non? Ben, on suit quand même les résultats. Après, on ne va pas suivre tous les jours tel entraînement. Oui, non. Ouais. Mais oui, les résultats sont impressionnants. Vous jouez à Springfield, c'est ça? Oui. Vous pouvez nous raconter un peu votre journée type aux États-Unis? Beaucoup, enfin, il n'y a pas beaucoup de cours, mais beaucoup de travail perso quand même. Surtout on est français, donc on a beaucoup de travail. Et après, il y a entraînement. L'entraînement, il est soit à 16h, 18h ou 20h. Il dure 2h. Les journées type, voilà. C'est l'école. Et manger, bien sûr. La principale différence entre le foot aux États-Unis et ici en France, pour vous, c'est quoi? Physiquement. L'impact physique. Les moyens aussi? Financiers? Ouais. Bah, on joue dans le cadre universitaire, donc on n'a pas encore. On ne peut pas encore comparer les clubs. En France, on a le statut club. Et aujourd'hui, nous, c'est l'université. Donc c'est, les moyens, on ne pourrait pas comparer entre l'université et le club. Oui. Vous avez un message à faire passer à vos anciennes coéquipières de l'ASS? Qu'elles continuent à travailler et qu'elles se sortent de la zone de relégation afin de maintenir le club. Et une fois que vous avez fini vos études, vous pensez revenir jouer en France, à SS ou dans un autre club? Pour ma part, je vais encore décider à ce que j'allais faire l'année qui va suivre mon diplôme.